Now, I'm happy to give the floor to Philippe Baptiste, who has been now the, as I said, the boss of the CNES for what, about 6-8 months. So during those 6-8 months, I remember our first conversation, you had already some quite precise ideas, but I am sure that you have learned a lot in those months. So how do you answer today my simple question? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais dire qu'en fait, je vais reformuler votre question. Finalement, votre question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'embouteillages autour de Mars cette année? Puisque si on regarde bien... À cause de Madame Hidalgo. Non, Madame Hidalgo is the mayor of Paris. She does not like cars, but maybe she likes rockets. Je vais rester sur Mars. Mais bien entendu, il y a la sonde Hope des Émirats, qui est un très très beau succès. Mais il y a aussi la sonde chinoise qui est arrivée quelques jours après. Il y a Perseverance, bien entendu, le rover américain, sur lequel je dois dire qu'on est très très fiers d'avoir fait la caméra, la tête là, de Perseverance. Puis il y a encore plein d'autres missions qui vont arriver. Ça aurait pu être Mars, mais on aurait pu aussi dire pourquoi est-ce que le trafic en orbite basse dans le spatial double tous les 2 ans. Ou pourquoi est-ce que la plupart des agences de prévision sont en train de nous dire que dans quelques années, dans une quinzaine d'années, on aura quelque chose comme 3 000 ou 4 000 milliards de dollars par an de business autour du spatial. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour du spatial? Alors, je crois qu'il y a pourquoi les gens vont dans le spatial aujourd'hui? J'aurais envie de dire le premier enjeu qui reste un enjeu, qui est un enjeu qui est là depuis très longtemps, c'est des questions de souveraineté, des questions de défense et des questions aussi de simplement montrer les capacités technologiques d'un pays, des enjeux de puissance en fait de l'ensemble des nations. Ça a été très vrai au moment de la guerre froide entre les Russes et les Américains. Et il semble assez clair qu'aujourd'hui, cette grande rivalité se redessine avec de nouveaux acteurs, mais en restant quand même sur les mêmes fondamentaux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui me semble extrêmement importante, peut-être qu'on perçoit moins directement, c'est aujourd'hui les enjeux autour du climat. Vous savez qu'aujourd'hui, si on n'a pas le spatial, on n'est pas capable de comprendre et de mesurer les évolutions du climat. Plus de la moitié des indicateurs du GIEC qui nous permettent de suivre les indicateurs climatiques et de comprendre quelle est la santé de notre planète viennent directement d'observations satellitaires. Et donc ça, c'est quand même un enjeu qui est aussi un enjeu majeur. La vérité, c'est que ce n'est pas ça qui explique l'explosion du nombre de missions, etc. Mais enfin, c'est quand même un enjeu majeur et je voulais quand même le rappeler. Et puis, le dernier enjeu, qui est un enjeu qui est vraiment nouveau, qui prend une ampleur considérable, c'est les questions autour de l'innovation scientifique et technologique, mais surtout des questions de business qui vont derrière avec des pans entiers de l'économie qui sont en train d'être bouleversés par le secteur spatial et des enjeux donc économiques qui sont absolument colossaux derrière. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on a un ensemble de facteurs d'attractivité pour les nations vers le spatial. Mais alors, il faut essayer de comprendre, malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a basculé dans ce nouveau monde où, justement, l'attractivité est beaucoup plus forte? Ben, comme souvent, les raisons, elles sont quand même des raisons d'ordre technologique. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une multiplicité de grandes évolutions dans le secteur. L'arrivée du numérique, avec des méthodes de développement. Alors, non seulement le numérique pour modéliser, pour réduire les temps de développement, pour aller plus vite, mais aussi de l'impression 3D, et aussi des techniques low cost qui viennent non seulement d'acteurs du numérique, mais aussi d'acteurs du monde industriel traditionnel, et tout ça, la miniaturisation des composants, pardon, et tout ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a baissé très brutalement les coûts dans le monde du spatial, pas dans tous les secteurs, mais dans un certain nombre de secteurs clés du monde du spatial, et en abaissant les coûts, eh bien, vous faites tomber en fait, des barrières d'entrée qui auparavant bloquaient l'accès d'un certain nombre de pays ou d'un certain nombre d'acteurs économiques pour rentrer dans le champ du spatial. Aujourd'hui, vous êtes une compagnie privée, vous pouvez rentrer dans la grande compétition spatiale en lançant quelques nanosatellites pour quelques millions d'euros, peut-être quelques centaines de milliers d'euros demain.
vraiment, les coûts ont baissé considérablement. Alors, je dis ça, et juste quand même pour faire la balance immédiatement avec ce grand enthousiasme, n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, à l'instant T, je dirais approximativement 90% des crédits qui vont spatial sont des crédits qui sont des crédits publics. On parle tous beaucoup de SpaceX, évidemment, qui est un acteur qui est passionnant et qui est extraordinaire, qui a bénéficié de subventions et de contrats du gouvernement américain qui sont absolument considérables, de l'ordre d'une dizaine ou d'une douzaine de milliards de dollars au cours des dernières années. Donc c'est à la fois un business qui est en train de décoller et de prendre une ampleur considérable et qui repose encore très largement aujourd'hui sur, évidemment, sur des financements publics. Alors ça permet quand même de voir une chose qui est quand même très intéressante. On a vu un monde très bipolaire au début, hein, donc avec la Russie et les Américains. L'Europe s'est taillée une place, pas dans tous les secteurs. Par exemple, on n'a jamais trop regardé le vol habité, mais par contre sur les lanceurs, on a été très très présent. Premier acteur privé en fait sur le monde des lanceurs avec le programme Ariane. Et puis évidemment nos champions dans le monde du satellite, hein, Airbus et Thales. Sont quand même deux acteurs absolument extraordinaires, des acteurs français et européens absolument extraordinaires dans le secteur et qui sont les tout meilleurs dans un certain nombre de technologies satellitaires. Et puis, donc l'Europe a pris sa place, et puis là, on voit que progressivement, la Chine est rentrée dans le jeu, l'Inde est devenue un acteur majeur, et je passe évidemment d'autres pays, Israël a aussi un programme qui est tout à fait intéressant, bien entendu les Émirats, mais aussi on voit plein d'autres acteurs qui sont en train de rentrer. Et donc on rentre clairement dans un monde qui est alors à la fois multipolaire, avec beaucoup d'acteurs émergents, en même temps malgré tout l'accès aux lanceurs qui reste quand même encore un élément déterminant de souveraineté pour un certain nombre d'États. Et donc ça reste toujours un enjeu clé. Je crois que l'Europe est très très attachée à avoir un programme de lanceurs qui soit un programme de lanceurs qui garantisse un accès souverain à l'espace. Je reviendrai quelques instants après sur cette question des lanceurs. Mais voilà, donc avec quand même des pôles qui se dessinent et puis une compétition qui est en train de monter en puissance à une vitesse absolument incroyable entre d'un côté les États-Unis et puis de l'autre la Chine, avec derrière l'Europe et la Russie qui tiennent les différents programmes directement ou indirectement. Cette compétition, elle s'organise beaucoup autour de la Lune et Mars. Ma part de naïveté personnelle, c'est de regretter que quelque part pour aller sur Mars, peut-être qu'on pourrait réfléchir à y aller tous ensemble. Je vais garder cette naïveté dans son coin, mais moi je pense toujours à l'exemple du CERN que je cite abondamment. C'est le CERN, c'est ce grand centre qui permet de travailler, enfin on a fait la découverte du boson de Higgs qui travaille sur de la physique des très hautes énergies, et c'est un centre qui est vraiment son motto, hein, sa devise, c'est la paix par la science. Et le fait d'arriver à mettre... alors je ne dis pas, je ne veux pas pécher par naïveté, et je vois bien évidemment toute la distance que ça peut avoir dans le monde du spatial, mais enfin, cet exemple est touchant et mérite quand même de temps en temps d'être rappelé. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est l'Europe dans tout ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut devenir demain dans ce monde du spatial qui est un monde multipolaire? Bon, d'abord, on croit profondément à l'importance du spatial, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées. L'accès à l'espace, les questions de défense, les questions de souveraineté, les questions d'observation de la Terre et du climat, les questions scientifiques qui sont absolument clés. L'Europe est un grand pays de science et on continuera à avoir des programmes qui sont très ambitieux sur un certain nombre de sondes ou d'instruments qui permettent de comprendre l'univers ou les grandes lois de la physique. Et puis aussi un programme de lanceurs qui est particulièrement important. Nous avons aujourd'hui un lanceur qui est enfin une gamme de lanceurs, hein, donc entre Vega et Ariane 5 qui est bientôt Ariane 6 dans quelques mois, donc en 2022 nous avons notre premier lancement d'Ariane 6 qui est un lanceur qui va permettre de remettre la France et l'Europe dans la compétition mondiale des lancements, avec je l'espère, je le souhaite. Il faut toujours toucher du bois quand on parle du monde des lanceurs, parce que
un lanceur, c'est quand même un instrument très très compliqué qui travaille à la frontière des lois de la physique. On n'est jamais à l'abri, donc des premiers lancements qui vont arriver bientôt, et puis Ariane 6 qui va bénéficier évidemment de toute l'expérience du programme Ariane en termes de robustesse et de fiabilité, et puis avec des coûts qui sont bien inférieurs à ceux d'Ariane 5 et qui seront, et ça je pense que c'est important de le dire, qui seront dans le marché. Bien entendu, on a une formidable compétition avec SpaceX qui continue et qui s'organise, et bien entendu, on va continuer à investir. On va travailler sur des briques technologiques que nous n'avons pas aujourd'hui et qu'il faut absolument qu'on développe, je pense, au réutilisable. C'est quelque chose sur lequel on va travailler. À côté de ça, on va aussi travailler beaucoup, on l'a déjà beaucoup fait, le CNES a été vraiment moteur pour ça, non seulement en travaillant avec nos grands primes que j'ai mentionnés précédemment, mais aussi en travaillant sur les nouveaux acteurs, sur le New Space, sur toutes ces jeunes entreprises qui sont en train de naître à la frontière entre le numérique, le digital, et le spatial, et donc c'est des capacités de développer des constellations de petits satellites qui vont être capables de faire de l'observation de la Terre, qui vont être capables de faire de l'IoT, de faire des télécoms pour des coûts qui sont très très bas, et ça c'est vraiment un enjeu majeur pour tous nos pays, parce que c'est directement utile pour les citoyens, hein, que ce soit dans votre GPS pour vous guider, ou pour demain savoir à quel moment il va falloir arroser votre champ, ou pour être capable de monitorer vos activités de pêche quand vous êtes pêcheur. Toutes ces activités, toutes ces données satellitaires, elles sont absolument. Voilà, donc je crois que vraiment on est à une espèce de frontière où le monde bascule où le monde du spatial est en train de bouger, pas de basculer intégralement, parce que la vérité c'est qu'on continuera quand on fera de la science. Ce sera toujours un rôle d'agence très classique, je crois. Mais en tout cas, sur beaucoup, beaucoup d'autres secteurs, on est en train de basculer dans un monde où l'entreprise va vraiment avoir un rôle majeur et un rôle moteur, et où les États vont plutôt passer des commandes, plutôt réaliser comme ils l'ont fait précédemment. Ça, c'est le premier point. Un monde qui est quand même, malgré tout, un monde qui s'ouvre et avec plusieurs acteurs, avec de nombreux acteurs qui sont autour de la table du spatial, et où il faudra construire des alliances. Et évidemment, la France est a toujours été très ouverte justement à ce type d'alliance et au travail avec des partenaires qui sont nombreux et parfois très divers. Voilà, donc c'est un monde passionnant qui s'ouvre encore à nous et pour les prochaines années. So, thank you very much. So, we can switch back a little bit to English. Sure. But I would like to ask you another very simple, I like simple questions, you know. So a number of times you mentioned European space policy or politics. Can we really speak of a European space policy? Well, at least there is a European ambition on space. That's very true. There is also a set of regulations on how you build space programs, how you make them real. Well, space policy, yes, I think there is a true ambition from the European Commission today, and especially Commissaire Breton is really deeply involved into this policy. He believes that... He is French. Sorry? He is French. I think so, yes. Yeah, he's French. But I think it's shared. France and Germany, are we exactly along the same lines? Well, it depends on depending on the topics. It's very true that Germany is very ambitious on space. Yeah. It's true. I think that it's public. They are very ambitious in space. So there is a kind of course of internal competition within Europe. This has always been the case between Italy, Germany, and France. And it has to be for the very good of Europe. I really think that there is room for that. I think that we don't have to compete on very, very expensive programs like heavy launchers. It does not mean that they don't have to be competitive, but I think that we have to organize competition because they are very, very costly. So let's not be crazy and let's not compete directly in between our European nations. But on, for instance, on smaller launchers or on several different kinds of technology for satellites, competition is already there, it's strong, and it's for the best, huh? Because I mean, so typically having this kind of competition is good for our traditional industry. Thank you very much, Madame.